par la savane. Est-ce que vous voyez à mon visage que j'ai fait chaud? Je n'ai pas pu m'habiller, je ne savais pas comment m'habiller. Et j'ai un truc blanc sur mon chapeau. Bref, il fait une de ces chaleurs. Pourtant, ce matin, il faisait très beau. Là, il est 11h45. Nous sommes samedi 7 octobre 2023. Là, on achète le gaz et puis on va continuer dans les courses. Mais sérieusement, il fait chaud de chez chaud. L'air est sec, le vent et est sec. Et ensuite, la courant est partie. L'électricité. Il fait chaud. Petit ferveur. Donc, je vous disais, là on est venu acheter le gaz parce que c'est bon maintenant. Le gaz n'est plus rare. Oui, et Rocky, et les heures de Dieu surveillent. Donc, je disais, aujourd'hui nous sommes. Ça j'ai déjà dit. On va faire les courses. Tu n'arrives pas à parler, il fait tellement chaud. On va faire les courses, mais il y a eu coupure d'électricité depuis 4 heures. Je suis debout depuis 4 heures. Et je n'arrive pas à me rendormir. Donc 4 heures jusqu'à présent, je suis fatiguée, je suis épuisée avec le soleil et avec les montées. En fait, j'ai toujours l'impression que quand je suis en train de m'enfuir, le corps est un peu plus fatigué. Je pense que c'est normal. Je perds beaucoup de temps. Donc, maintenant, encore ça va, je n'ai plus les règles aussi abondantes qu'avant. Donc, je suis en train de dire, c'est normal que je suis en train de perdre. C'est normal que je puisse être fatiguée, mais vraiment c'est une sensation qui ne me plaît pas du tout, mais qui ne me plaît pas. Les hommes, il faut respecter les femmes, sincèrement, parce que les femmes souffrent, sincèrement. Bref, donc là, on va faire les courses, mais comme il n'y a pas d'électricité, depuis 4 heures, j'étais en train de dire, depuis 5 heures, il y a coupure d'électricité, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Donc, je ne vais pas faire de grandes courses, juste acheter peut-être le yaourt de Ruben. On sait prendre peut-être les cornflakes aussi. C'est tout. C'est tout ce qu'on va prendre, je pense. Et ensuite, mon mari va chez son coiffeur. Puis on va rentrer. Normalement, si l'électricité peut revenir, on a demandé à un technicien de venir voir la machine à laver, voir ce qui ne marche pas. Et puis, ah, on a eu une belle bouteille de gaz. Bref, je dois aussi aller à la pharmacie, là, prendre des médicaments. Non, pour moi, toi tu n'es pas malade, tu es guérie. Donc écoutez, je vous embarque dans cette journée qui s'annonce très très chaude. En tout cas, j'ai l'impression de vous faire vraiment des points météo tous les jours. Quoi. Mais je vous embarque dans cette journée très très chaude et voilà. Quoi. Je n'ajoute rien. Extra fort et rapide. C'est très fort. Mais prends seulement. Chérie, on va pas trouver sur le marché. Ça va, nous? Quoi? Ça. Super doux. Ah. Bon, ça c'est 8 000. Au-delà de ça, ça c'est 4 500. Oui, mais tu vois, c'est petit. Oh, regarde. Regardez-moi ça. Non, Ruben. Ruben ne touche pas. Non, mais là, ils ont mis disque démaquillant réutilisable. Et disque démaquillant. En coton. Ah, d'accord. Ah, c'est disque démaquillant en coton bio à 8 000. Allez, 6. Mais attends, ça c'est un coup, une flamme. C'est cool. Non, c'est moi qui dis un coup, une flamme, quoi. Ah, d'accord. Puisque tu as dit hydro. 5 lames, tu as dit. Attends, 47% plastique recyclé. Skin protection, régulier, dermatologiste. Ça ne veut rien dire. Donc, ce qu'on achète d'habitude, c'est ça, non? Ça, mais à l'aloe vera. Non, c'est toujours à l'aloe vera.
c'est à la louer là. Quand tu verras la bande verte là. Mmh, c'est ce vous pouvez pas lire sous l'étiquette. Bah on a lu sous l'étiquette, toi tu sais. Miam miam miam. Oui, on achète ça quand c'est 1000 et quelques, c'est en promo. Tu prends les cornoflakes, Rebelle? Non, on connaît le prix, allons-y. Rebelle, on connaît le prix. Bon, c'est parti pour un retour de course avec... Tu parles plus bien. C'est pour Rebelle. C'est parti pour un retour de course avec... Rebelle. Voilà. Et on fait avec Doudou et Capi. Ah ben, garde tes capuches et tes bibous, je ne sais pas quoi. Bref, on commence. On a pris de la confiture de fraises pour les petits déjeuners le matin. Et voilà, vous tombez. On ne vous respecte plus du tout. Pardon. Et on a pris... C'est fermé. Là-bas, c'est fermé. Dans le fraise. Oh. Ah, on a les poissons bloqués. Merci. Et on a pris des cornoflex pour la nuit. Les cornoflex pour la nuit. Tu les mets dans quoi les cornoflex pour la nuit? Dans le yaourt. Dans le yaourt. D'accord. Ok. Donc on a pris les cornoflex Nutri-Score A. Ensuite, on a pris donc la confiture de fraises pour la nuit aussi. Non, pas pour la nuit. Pour la journée, les petits déjeuners. Oui, et du yaourt aussi. Les yaourts, donc pour les cornflakes, ça c'est saveur banane. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a aussi pris des coton-tiges. On a pris des coton-tiges de toutes les manières. Bonjour. Ça va bien, de toutes les manières, on va vous mettre à tous les jours. Donc, on continue notre retour de course après les yaourts. Les klaxons, la chaleur. Bref, ça c'est quelle saveur? Saveur fraise. Oui, et pourquoi ça m'a encore pris? C'est bon, hein? On va où j'ai? Ah, le magasin pour voir... L'eau. Ah, l'eau. J'avais complètement oublié. Saveur barbadine. Et saveur fruit de la... Ah, saveur barbadine, oui. Saveur barbadine. Tu as raison. Et ensuite, on a pris... Saveur nature. Saveur nature. Donne, tu as raison, saveur nature. Oups là, tu me donnes le sac, on va remettre dans le sac. Tu remets, tu peux, donc je vais t'aider. Il n'y a plus rien dans le sac. On ne va pas faire le magasin pour les tissus. Hein, je peux tenir longtemps. Le magasin pour tissus, on pourra faire. Je suis passée à ta pharmacie, j'ai pris les médicaments. Je t'avais dit que prochainement, quand je prendrai des médicaments, je passerai à ta pharmacie. La pharmacie Jiré. Donc, je suis passée à la pharmacie Jiré et j'ai acheté du Raldol. Deux boîtes de Raldol. Je parlais à quelqu'un qui va se reconnaître. À un tonton qui va se reconnaître. Mais dis déjà, on fait ça. Et on a pris des. Non, pas des. On a pris un petit chocolat comme ça. Le carburant aussi. Waouh, c'est tout là-bas. Ah, c'est la station là-bas.
Certain. Merci. C'est très très bon. Merci. Je pense que je suis addict au sucre. Je pense vraiment que je suis addict au sucre. Et ça a même des petites gouttes. Ce sont des noisettes. C'est chocolat, lait, noisette. Il est trop bon. Pourquoi là? Non mais ne sors pas, ce sont des noisettes, Ruben. C'est trop bon. Bon écoutez, on a fait le retour de course. Moi je vais manger mon petit chocolat. Et puis je vous retrouve. Qui a dormi dans la voiture? C'est moi. Je vous dis que chaleur, règle, tisane de clou de girofle, ça fait que je dors. Et là, on était chez les, parents. Oui, je suis toujours fatiguée. Je ne vais pas passer par le marché comme je vous ai dit, puisque je ne sais pas si l'électricité est revenue. Plutôt chez Casino, on était allé juste pour prendre deux choses. C'est-à-dire. J'espère que vous pouvez m'entendre. Chez Casino, on était juste allé pour prendre yaourt et cornflakes. On s'est retrouvé avec tout le retour de course que je vous ai fait. Là, mon mari est allé chez son coiffeur, juste à côté. J'ai dit qu'il prenne Ruben, comme ça, je reste un peu au calme. En fait, j'ai pas mal au bas-ventre, mais avec les hormones, je sens moi-même que je suis simplement désagréable. c'est difficile à contrôler. Tu fais de ton mieux en fait pour te contrôler, mais dès que Ruben fait moins de bêtises, en fait, je sens que je démarre au quart de tour et c'est pas bon pour lui. C'est pas. Après, je me sens mal. C'est vrai que tu demandes des excuses, mais chaque fois, si tu dois démarrer au quart de tour, dès qu'il fait une bêtise, ben, il va se dire qu'est-ce que maman a. Moi, pourtant, je sais ce que j'ai. Je sais que c'est à cause des hormones que j'ai réagi comme ça. Dites-moi, en fait, si vous aussi, pendant vos règles, vous êtes comme ça. Moi, pendant... En fait, cette fois-ci, j'ai pas eu de... Ça fait quand même un moment, avant les règles, j'ai pas de syndrome prémenstruel. Donc, je n'ai pas mal au niveau de la poitrine, j'ai pas mal au niveau du bas-ventre. Mais pendant les menstrues, en fait, je suis presque exécrable. Sincèrement, je suis, pendant les menstrues, surtout les deux premiers jours, je suis difficile à vivre. Ça, je le reconnais. À partir de demain, ça ira mieux. Mais là, comme je l'ai dit, avec la chaleur, bref, je suis... Et avec le manque de sommeil aussi, je suis désagréable. Donc, j'ai dit à son père, tu l'emmènes. Il m'a même dit, mais pourquoi tu es en train de te fâcher comme ça contre lui? J'ai envie de te dire, comment tu ne sais pas que pendant les règles, nous, nos hormones, nous nous jouons des tours et... Bref. Donc là, je suis restée seule dans la voiture. Ça me fait du bien, en fait. Si c'était possible, pour moi, le mieux serait, pendant les menstrues, tu les envoies tous en vacances. Oui, c'est ça. En fait, pendant les menstrues, tu les envoies tous ailleurs, ou toi, tu vas ailleurs où tu es seule, et tu reviens après, quoi. Si c'était possible, mais bref. Donc là, je les attends dans la voiture. Je ne fais pas la cuisine, comme je vous l'ai dit. Pas envie de faire la cuisine, même pas à cause de l'électricité, de la coupure d'électricité, puisque je sais que ça va quand même revenir. J'ai pas du tout envie de faire la cuisine. J'ai pas envie de me tracasser. On va rentrer, on va manger, on va faire une omelette. En tout cas, mon mari va faire une omelette et puis ça va passer, quoi. Et puis demain, on va voir ce qu'on va manger. Voilà pour l'update. Ben, je vous retrouve certainement tout à l'heure. Ça m'énerve parce que ça m'énerve. Non, ce qui m'énerve, c'est que j'ai même pas encore commencé le montage de la vidéo de demain. Et écoutez, c'est pas grave. Chaque chose en son temps.